Dans Psaume, tu dis, Psaume 84, à partant du Psaume chapitre 84, à partant du 11e verset, il dit ceci: mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Alléluia. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel désarmé irait l'homme qui se confie en toi. Éternel désarmé. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à soupirer, à dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Commence seulement à dire merci à Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Shayamane seke yamane shute yamane mash. Yamane ke yamane no sopata yamane sete la la dasha. Yake yamane na shute la bradadasa. Commence seulement à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis papa, je te rends gloire pour ta bonté. Je te rends gloire pour ton amour, pour ta faveur dans ma vie. Je te rends gloire pour tout ce que tu fais dans ma famille, dans ma vie, Yahweh. Yahweh, je te rends gloire pour la vie de mon père, pour la vie de ma mère. Yahweh, je te rends gloire pour la vie de mes soeurs. Je te rends gloire pour la vie de mes frères. Yahweh, je te rends gloire pour la vie de mon frère qui m'a précédé auprès de toi, Seigneur. Je te rends gloire pour tout ce que tu fais dans ma famille, Yahweh. Lorsque je regarde ma marche, lorsque je regarde tout ce que je fais dans ce pays ou bien dans ce monde, papa, c'est un sujet pour te lever, Yahweh. Je ne suis pas digne d'être ici en ce soir, mais tu m'as gardé. Tu me gardes et tu me protèges, Yahweh. Papa, la Bible me dit, se réveiller chaque matin n'est pas une habitude, papa. Il y a des gens qui sont plus beaux que moi. Il y a des gens qui ont plus d'argent que moi. Mais à ce moment ici que je suis en train de parler, à ce moment que je suis en train de prier, il y a d'autres qui sont dans les lits des hôpitaux. Il y a d'autres qui sont dans le manque. Il y a d'autres, Yahweh, qui sont dans des soins intensifs. Mais toi, tu m'as gardé. Mais tu m'as accordé cette grâce, cette faveur, Yahweh, pour être ici. C'est pour cela que je te lève. C'est pour cela que je t'adore. Commence-moi à prier. Commence à prier. Commence à prier. Papa, dimanche, il nous a dit, lorsque tu as Dieu, prends-le comme si tu es devant ton mari ou bien ta femme. Lorsque tu fais la déclaration d'amour, commence à dire à ce Dieu, regarde tout le bienfait de Dieu qu'il a fait dans ta vie. Commence à l'appeler même dans le mot que tu as la facilité de l'appeler. Commence même à le dire, papa, tu es tout pour moi. Moi souvent je dis, il est chipinga baloji. Moi souvent je dis, azabulukole. Souvent j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de langage, j'ai beaucoup de termes pour l'appeler. Souvent je dis, il est Iyabe. Souvent je dis, il est Shama. Souvent je dis, il est Sabaoth. Souvent, parce que j'ai beaucoup de façons d'adorer, j'ai beaucoup de façons d'élever le nom de Dieu. Lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde la vie de mon père, la vie de ma mère, ma famille, c'est un sujet pour te lever. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Ce soir, en cette nuit de feu et de l'Esprit Saint, Seigneur, nous te désirons, papa. Seigneur, nous te désirons, Yahweh. Je te rends gloire pour tout ce que tu fais. Je te rends gloire pour la vie que tu es en train de manifester dans ma famille. Je te rends gloire pour tout ce que tu fais ici dans ce pays, le Canada, papa. Yahweh, avant je n'avais pas un statut, mais aujourd'hui j'ai un statut. Avant je n'avais pas le boulot, je m'inquiétais, mais aujourd'hui j'ai un boulot où je gagne quelque chose. Papa, pourquoi ne pas te lever? Pourquoi ne pas te dire merci lorsque je regarde tout ce que tu fais dans ma vie? Souvent je me pose des questions. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ah, Yahweh, parce que je sais, l'or et l'argent t'appartiennent. Tout
tout dans ce monde ici passera, mais ta parole ne passera jamais. Tout dans ce monde ici passera, mais ta parole ne passera jamais. Ce soir, Yahweh, je t'élève. Ce soir, Yahweh, je te désire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Yahweh, nous te remercions. Yahweh, nous te rendons gloire parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Yahweh, tu as laissé le trône pour mourir pour moi. Tu as laissé la place là-bas au ciel pour venir ici sur cette terre des hommes. Pourquoi ne pas t'élever? Mon frère, ma soeur, commence à élever le nom de Dieu. Commence à élever le nom de ce Dieu. Commence à élever le nom de ce Dieu. Dis, papa, je t'élève pour ta bonté. Je t'élève pour la vie de mon père. Je t'élève pour la vie de ma mère. Regarde tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ça va m'étonner si je te vois rester calme. Je n'aimerais pas voir une personne assise. J'aimerais qu'une personne prenne une bonne position. Si tu vas t'agenouiller ou là, oui. Mais je ne veux pas voir une personne assise parce que c'est lui qui mérite la gloire. Il dit, porte levée volontaire que le roi des rois fasse son entrée. Il siège au milieu de la louange. Mais c'est comparable lorsque tu parles à ton papa. Tu ne peux jamais être assis que ton papa est élevé. Non, il faut t'élever. Lève-toi, commence à dire merci. Commence à élever le nom de ce Dieu. Regarde tout ce que Dieu fait dans ta vie. Regarde le bienfait de Elohim dans ta vie. Regarde toutes ces bontés, toutes ces merveilles. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, nous t'élèverons ce soir. Nous t'élèverons ce soir. Nous t'élèverons ce soir. Car tu es digne. Car tu es digne. Car tu es digne. Car tu es digne. Merci Yahweh. Merci Shama. Shama, nous te désirons, papa. Merci Yahweh. Lorsque je regarde une femme qui est soumise, papa, est en train de mettre au monde un enfant qui parle. Lorsque je regarde une personne qui est handicapée, est en train de mettre au monde un enfant qui marche. Lorsque je regarde une personne qui n'écoute pas, mais il est en train d'affronter un enfant, mais cet enfant écoute. Mais lorsque je regarde une personne qui ne voit pas, mais il met au monde un enfant qui voit, Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas t'élever, Yahweh? Pourquoi ne pas t'élever, papa? Parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Je regarde ma vie, papa. Je me réveille le matin. Je marche. Je fais des mouvements. Tout le physique de mon corps est en bon état. Yahweh, il y a d'autres personnes qui se réveillent. Il a dit à ses frères. Il a dit à ses frères. Il a dit à ses soeurs. Je suis parti. Je suis allé au boulot. Je suis allé à l'église. Je suis allé comme ça. Mais on les appelle à 11h. On les appelle à 10h. On les appelle à 15h. Mais cette personne est morte. Ou bien cette personne est morte. Mais moi, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux encore te donner? Qu'est-ce que je peux encore te donner? Yahweh, sois élevé. Ce soir, je t'élève au-dessus de tout nom. Ce soir, papa, nous t'élèvons. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Viens, viens, règne. Viens, règne. Ce soir, Yahweh. Ce soir, Yahweh. Viens, prends place. Prends place en ce culte, en cette soirée, papa, nous t'élèvons, car tu es digne, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. La Bible me dit, lorsque vous élèverez le nom du Fils de l'homme, le monde connaîtra qui il est. Ce soir, papa, nous allons t'élever, pas comme possible. Ce soir, papa, nous allons t'élever, pas comme possible. Yahweh, je ne manquerai pas de mots pour t'élever, je ne manquerai pas de paroles pour te dire combien tu es bon, papa. C'est comme un homme qui est amoureux d'une femme. C'est comme une femme qui est amoureuse d'un homme. Mais lorsqu'il est devant cet homme, ou bien lorsqu'il est devant cette femme, il dit des paroles. Lorsqu'il exprime son amour, c'est comme moi aujourd'hui. J'aimerais exprimer mon amour devant ton trône. J'aimerais exprimer mon amour devant ta grâce. J'aimerais exprimer mon amour devant tout ce que tu fais dans ma vie. Ce soir, je ne manquerai pas de mots. Je ne cesserai jamais de t'élever dans ma vie. Yahweh, je t'ai connu lorsque j'étais petit.
J'ai déjà connu Yahweh aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un grand garçon. Jamais. Peu importe l'adversité, peu importe les choses qui vont se passer dans ce monde, moi, je te laisserai jamais. Yahweh, je t'appelle Tchipinabaloji. Yahweh, même si je ne sais pas parler de Tchulma, papa, mais je t'appelle Tchipinabaloji. Je t'appelle Tamboyuna. Je t'appelle Sabaote. Je t'appelle Elohim. Je t'appelle Adonai. Je t'appelle El Shaddai. Je t'appelle Rafa. Je t'appelle Jehovah Tsipéli. Je t'appelle comment, Yahweh? Comment est-ce que je peux encore t'appeler, Yahweh? Tu as plusieurs noms. L'homme de 33 ans, l'homme de Galilée, le narcisse de Saron, Sabaote, Sabaote, Sabaote. Le papa le plus responsable, c'est toi. Le papa le plus responsable, c'est toi. Je veux que là où tu es, mon frère, lève-toi. Je n'ai pas envie de te voir assis. Je n'ai pas besoin de voir une personne assise, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on laisse place à ce Dieu. Car la Bible me dit, porte le vœu volontiers que le roi des rois fasse son entier. Porte le vœu volontiers que le roi des rois fasse son entier. Si tu vas t'agenouiller, oui, mais je ne veux pas voir une personne se mettre assis. S'il vous plaît, laissons place à cet homme. Laissons place à cet homme. On le voit lorsque le président vient dans une salle. Lorsque les personnes voient le président, ils se tiennent debout. Mais toi ici dans cette salle, à la présence de l'homme de Galilée, celui qui est plus grand que le président, celui qui est plus important que le roi, celui qui est plus important quiconque dans ce monde. Mais toi tu es assis. Ah, ça va m'étonner. Mais je veux que là où tu es, que tu commences à élever le nom de ce Dieu. Car aujourd'hui, c'est une nuit du Saint-Esprit. Car aujourd'hui, c'est une nuit de feu. Ce soir, Seigneur, prends place. Seigneur, prends place. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Yahweh, tu es digne. 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 Mon âme soupire, elle languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cri vers le Dieu vivant. Le paresseux me trouve même une maison, et les hirondelles un nid, où elle dépose des épines. Des hôtels, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore, heureux ceux qui habitent dans ta maison, car ils peuvent encore te célébrer, heureux ceux qui habitent dans ta maison, car ils peuvent encore te célébrer, Yahweh, nous allons seulement te célébrer ce soir, nous allons seulement élever le nom de Dieu, car tu as reçu le nom qui est souverainement élevé. Devant ton nom, la maladie fléchisse. Devant ton nom, tout chez nous fléchisse. Devant ton nom, la sorcellerie fléchisse. Devant ton nom, l'adversité fléchisse. Devant ton nom, même la dépression fléchisse. Seigneur, viens prendre place. Viens prendre place. Viens prendre place. Commence à élever seulement le nom de ce Dieu. Si tu vas acclamer, tu peux acclamer. Si tu vas crier, tu peux crier. Si tu vas sauter, tu peux sauter. Si tu vas faire ce n'importe quel mouvement, commence à faire ce mouvement. Dis, papa, papa, merci, 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 merci. Il reste que 3 mois pour la fin de 2024. Il reste que 3 mois pour que cette année 2024 puisse prendre fin. Mais tu es là aujourd'hui. Tu es là aujourd'hui. C'est Dieu qui te parle. Commencez-moi à prier. Commencez-moi à prier. Commencez-moi à prier. Yamane soute, yamane neke, yabadasa. Yamane se mande, yanana chaye. Yahweh, nous te levons ce soir. 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 Hey Yahweh, hey Yahweh. Merci, merci, merci Yahweh. Pour tout, pour tout, pour tout Yahweh. Tout ce que tu fais dans ma vie, Yahweh, nous te remercions. Hey Yahweh, Yahweh, exauce mes prières, exauce mes prières. La parole est une flèche, est une lampe à mes pieds. Yahweh, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Yahweh, Yahweh, dans le psaume 23, tu dis Yahweh, merci, merci.
Merci, merci. Merci Chama, Yahweh, aujourd'hui nous allons seulement te dire combien tu es bon. Aujourd'hui nous allons seulement te lever parce que tu es digne, parce que tu es notre papa. Papa, papa, dans Psaume 23 tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es d'huile, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es d'huile ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront la mission chrétienne d'espérance tous les jours de, de leur vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront Blessing tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront Gaston tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera Jacques tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera Diaz tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera Jocelyne tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera Lise tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera Winnie tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera Josué tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera Colette tous les jours de sa vie. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera la mission chrétienne tous les jours de leur vie. Yahweh, 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 papa, 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 papa. Yahweh, prends place, prends place, prends place, prends place. Papa, utilise-moi encore puissamment ce soir. Utilise-moi encore puissamment ce soir. Que je puisse disparaître en cette nuit. En cette nuit, Yahweh, prends place. Nous t'invoquons encore ce soir. 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 Viens, 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 viens. Si tu sais parler là, commence à prier. Si tu sais parler là, commence même à parler en langue. Et c'est une langue que les démons et ses acolytes ne comprennent pas. Une langue de feu. Une langue de feu. Même si tu ne sais pas parler en langue, commence à parler en langue. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Parle en langue. Si tu ne sais pas, commence à élever le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Car il est assis au-dessus de tout le monde. Car il est assis sur le trône à la droite du Père. À la droite du Père. À la droite du Père. C'est Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. C'est lui le nom. Ce soir, Yahweh, 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 nous t'invoquons. Nous t'invoquons ce soir. 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 Papa, mon papa, je cherche. Je veux te chercher. Je ne cesserai jamais de chanter ton nom. Ton papa, mon papa, ton bébé te cherche. Je ne cesserai jamais. Mon papa, mon papa, Josué est là ce soir. Papa, je laisse mon cœur à te lever. Je laisse mon cœur pour se lever. Commence à prier. Prie, 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 prie. Shaya mané. Shakaya manu. Soute ya mané. Shaya mané. Parasa. Ya teke ya mané. Ya belesa. Yes. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Parce que tu es tout pour nous. 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 Tu
tu as pris place en ce lieu. Tu as pris place en ce moment. Merci. Et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es l'Éternel, l'Éternel. Est-ce que quelqu'un là où il est, comment je peux acclamer pour ce Dieu? Est-ce que quelqu'un là où il est, comment je peux commencer à acclamer? Que tu peux commencer seulement à acclamer, tu acclames seulement. Que tu acclames, que tu acclames. Que tu acclames. Alléluia. 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 Ah non, tu ne réponds pas bien. Sans toi, ici, on dit, il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où il répand sa bénédiction en abondance. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'il est dans un endroit où il y a des gens, il se sent comme s'il est timide ou comment. Non, ici, il n'y a pas question de timidité. Ici, tu es dans la maison de ton Père. Tu es dans la maison de ton Père. La personne qui a pris, il a laissé le ciel pour venir mourir pour toi. Alléluia! Non, tu ne réponds, tu ne me convaincs pas, tu ne me convaincs pas. Alléluia! Si on était à l'école, j'allais vous donner 0 sur 10. Comprenez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais être connecté avec vous. Parce que là, ce que je ressens, j'aimerais aussi que j'aimerais le partager avec tout le monde. Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui ont la vie ici? Si tu as la vie, tu peux le manifester. Tu peux le manifester. Tu manifestes cette vie que tu as. Ah non, tes acclamations là, ne me convainc pas, ne me convainc pas, ne me convainc pas. Attendez, 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 s'il vous plaît. Frère Diaz, attendez d'abord, attendez, attendez. J'aimerais que là où tu es, que tu acclames. Il n'y a pas des instruments. J'aimerais que là où tu es, que tu acclames seulement. Que tu acclames, que tu commences seulement à acclamer. Que tu commences seulement à acclamer. Si tu vas faire des cris de joie, que tu puisses pousser même des cris de joie. Pousse des cris de joie pour l'Éternel Dieu, pour le roi des rois, celui qui est assis sur le trône. Il règne à jamais l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Commence seulement à acclamer. Acclame, 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 acclame. Oh non, non, non. Tu es fatigué. Non, non, non. Acclame, 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 acclame. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'il y a... Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ce soir, que là où nous sommes, que tu puisses ta vie. Dis papa, je viens recommander ma vie en santé divine. Prends place. Viens régner dans ma vie. Regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Regarde les problèmes. Regarde, c'est le monde tend à sa fin. Seigneur, j'aimerais demeurer à tes pieds et rester à tes pieds. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, ce soir, je viens devant ton trône de grâce, papa. Recommander ma vie, Yahweh. J'aime toujours dire, peu importe l'adversité, peu importe les choses de ce monde, moi, je ne te laisserai jamais. Ce soir, Yahweh, je viens remettre ma vie en toute santé divine. Et écrit de la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Yahweh, Sabaoth, je viens ce soir déposer tous mes problèmes, toutes mes solutions, toutes mes choses entre tes pieds, Yahweh. Prends place. Yahweh, viens prendre place dans ma vie, Yahweh. Guide ma vie, Yahweh, à marcher selon ta parole. Yahweh, le monde tend à sa fin. Je n'aimerais pas perdre ce que j'ai. Je n'aimerais pas perdre la grâce, la faveur que j'ai. Yahweh, papa, je recommande ma vie entre les santé divine, mais je recommande ma vie entre tes pieds, Yahweh. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Yahweh. Merci pour tout. Merci pour tout, papa. Donc, tout ce que je vais faire dans ces pays, le Canada, Yahweh, que tu ouvres les portes là où les portes étaient fermées. Tu ouvres des opportunités. Tu donnes la solution à des choses qui... La solution.
exauce ma prière, exauce ma prière, exauce ma prière. Merci. Merci Yahweh. Yahweh, je viens recommander ma famille. Je viens recommander mes frères et sœurs. Sainte divine mère Yahweh. Car ils sont ma force. Car ils sont les personnes qui sont là pour m'accompagner. Yahweh, qu'on ne perd pas ce que tu nous as donné. Qu'on ne perd pas ce que nos parents nous ont appris. Yahweh, nous te remercions. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire parce que tu es notre papa. Tu es tout pour nous. Yahweh, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci. Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous te prions ce soir. 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 Je recommande tous les mots entre tes divines mains. Papa, viens, 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 papa, viens, papa, viens, papa, viens, Jésus. Seigneur, viens, au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Dans Psaume chapitre 86, à partir du verset 1, il dit ceci. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigne. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Commence à... Ce soir, j'aimerais que là où tu es, que tu dis à Dieu, papa, prête oreille. Écoute ce que ton enfant, ta fille ou bien ton fils a à te dire ce soir. Écoute ce que j'ai à te dire, peu importe mes problèmes, Yahweh. Yahweh, je suis malheureux. J'ai de la dépression, ma famille, mes enfants, mon boulot me dérange, Yahweh, prête oreille. Commence à prier, dis à Dieu de te prêter son oreille, qu'il t'écoute, commence à prier, prie, 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 prie. Ne reste pas silencieux, ne reste pas silencieuse, commence à dire à Dieu de te prêter oreille, dis, expose tes problèmes à ses pieds, expose tes problèmes sous, à son nom. Qui te exauce dans tes prières, qui te exauce dans tout ce que toi tu désires. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Yahweh, papa, je viens t'exposer mon problème de l'immigration. Yahweh, donne-moi une solution. Papa, je viens te poser les problèmes de mon père, de ma mère, en disant que je vis. Yahweh, donne-moi une solution. Papa, prête-moi oreille ce soir. Prête-moi oreille, papa, dans ma vie. Prête-moi oreille, papa, à ce qui concerne ma soeur, à ce qui concerne Daniel, Yahweh. Prête-moi oreille à ce qui concerne mes parents, Yahweh. Ils sont dans un moment difficile. Ils passent un moment difficile, Yahweh. Prête-moi oreille, Yahweh. Yahweh, je te prie pour ma famille. Je te prie pour mes frères, pour Daniel, pour accompli, pour Joyce, pour Bénédicte, Yahweh. Je te prie pour eux, pour Eliezer, Yahweh. Je te prie pour eux, pour Desiana, je te prie, pour Nils, je te prie, pour Victoria, je te prie, Yahweh, pour Israël aussi, je te prie, Yahweh. Yahweh, papa, prête-moi oreille. Prête-moi oreille, soeur. Prête-moi oreille pour mon boulot. Prête-moi oreille pour ce que tu fais dans ce pays. Yahweh, sois avec moi. Ce soir, papa, nous te demandons, papa, prête-nous oreille. Aide-moi, Yahweh. Aide pitié de moi. Commence à demander pardon à Dieu. Dis, papa, je ne suis pas digne d'être ce soir. Aide pitié de moi. Commence à prier à Dieu. Dis à Dieu qu'il ait pitié de toi. Regarde ta marche. Regarde tout ce que tu fais. Regarde ta marche depuis le début de l'année 2024 jusqu'au mois de septembre. Commence à dire à Dieu, papa, je viens devant ton trône de grâce. De demander pitié, de demander ta miséricorde, car il est le papa le plus responsable. Il pardonne même si nos iniquités sont plus grandes, bien plus grosses. Commence à prier, demande pardon à Dieu. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier, ne restez pas calme, ne restez pas silencieux, silencieuse. Commence à prier, commence à prier. Commence à demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Dis papa, aie pitié de moi, aie pitié de ma vie, aie pitié de tout ce que je fais, papa. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi,
Yahweh. Aie pitié de moi, papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, que tu pries maintenant pour l'église Mission Chrétienne Espérance. Que tu recommandes cette église entre les mains de Dieu. Les gens du monde disent ceci, la chose qui appartient à Dieu a toujours été combattue. Nous savons que nous venons de passer des moments difficiles. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à prier pour cette église. Tu pries aussi pour les visionnaires de cette église. Dis à Dieu, papa, garde ton serviteur, qui ne quitte pas ton chemin. Parce que la plupart des pasteurs ces derniers temps se sont compromis. Mais ton serviteur, Yahweh, nous te laissons, nous te recommandons. Garde-les et protège-les. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Yahweh, je viens recommander mon église, la Mission Chrétienne Espérance de cet événement. Yahweh, viens, papa, viens prendre place à cette église, papa. Viens, papa, je rends tout esprit captif à l'obéissance de la parole. Toutes choses qui n'est pas de toi. Toutes choses qui ne conviennent pas ta Seigneurie, Yahweh, je la nie et je le rends nulle et sans effet. Tout esprit mauvais qui n'est pas de toi, en ce lieu, je la nie et je le rends nulle et sans effet. Yahweh, je recommande cette église en disant cet événement. Car tu m'as donné, car tu nous as donné cette église, Yahweh, car tu nous as donné cette famille, Yahweh, pour te lever, Yahweh, afin de. À la fin de temps, ton serviteur te rendra compte par rapport aux âmes que tu lui as données. Yahweh, qui garde tout ce que toi tu lui as donné, qui garde tout ce qu'il a appris, Yahweh, qui ne périsse pas, qui ne se compromette pas, Yahweh, garde ton serviteur, garde ton serviteur, garde ton serviteur. Tu as reçu un nom au-dessus de tout le nom. Devant ton nom, la maladie fléchisse. Devant ton nom.
ton nom, même les sorciers de ma famille fléchissent. Prends place, nous te couronnons de gloire, parce que tu es digne. Tu règnes à jamais, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, à ta voisine, on va danser. Dis à ton voisin, à ta voisine, on va danser. Ah non, ce soir je ne comprends pas. Allez, vous n'êtes pas vraiment chaud, chaude. Pourquoi? Il y a quoi? Hein? C'est comme si la mort, c'est comme si il y a quoi? Non, j'aime pas comme ça. Oh, mon frère. Dis à ton voisin, je vais célébrer Jésus-Christ ce soir. Ah non, aujourd'hui, je vous cote 0 sur 10. Là, je vous dis vrai. Dis à ton voisin. Il y a d'autres personnes, je vois ici leur figure, leur visage est froissé. Ah, ya, ya. Tu es devant le Dieu du ciel. Ah, non. Là, vraiment. Donc, dis à ton voisin ce soir, laisse-moi célébrer Jésus-Christ. Attends d'abord. Peut-être le clavier qui les empêche de parler. Attends d'abord. Ma soeur, mon frère, lève-toi d'abord. On se tient d'abord debout. Tenons d'abord debout, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va rentrer. Aujourd'hui, moi, je vous remets à l'écoudim. Excusez-moi vraiment. Aujourd'hui, je vous remets à l'écoudim. Maman, papa, j'attends. C'est lui qui est assis. Je t'attends seulement pour que tu t'élèves. Dis à ton voisin, à ta voisine, laisse-moi célébrer Jésus-Christ. Aïe! Ah! Je ne sais pas. Papa, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Les gens ne sont pas... Dis à ton voisin, à ta voisine, laisse-moi célébrer Jésus-Christ. Laisse-moi célébrer Jésus-Christ. Ok. On va d'abord s'échauffer d'abord. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Tout le monde connaît ça, hein? L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oh, je chante comme David. Je chante. Mais David, acclamer, célébrer, élever, magnifiant, danser. Danser, acclamer. Alléluia! Amen. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia! Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt même ce soir? Quelqu'un est prêt ce soir? Alléluia! Nous allons danser à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Amen. Tata Nzambe, yo mosungye ea. Oh, Tata Nzambe, yo mosungye. Tata Nzambe, yo mosungye ea. Tata Nzambe, yo mosungye. Oh, nakoki kobosa na Nzambe, yo mosungye. Oh, Tata Nzambe, yo mosungye ea. Tata Nzambe,
Colonzambe to yembeli ololo Colonzambe bisoto kumisio Colonzambe malamu Colonzambe malamu Colonzambe nanguya Ma
ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, oh adieu, eh, eh, oh adieu, oh adieu, 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 oh adieu, oh adieu, oh adieu, oh adieu, 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 oh adieu. Tu les as envoyés ta parole et ta parole les a guéris. Laisse-moi ce moment où voulons t'écouter avant de plonger dans la prière. Édifie nos âmes, édifie nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, rejetons tes mains.
Ici et maintenant, le Seigneur.
Saluons tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne et nous vous saluons qui êtes dans la salle ce soir. Amen. Laisse que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Je disais, laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Amen. Amen. Je disais, laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Et vous qui nous suivez en ligne, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Amen. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Alléluia. Toute plante n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. 15-13. Matthieu 15-13. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? À 3. 1, 2, 3. Il répondit, toute plante que n'a... Non, pardon, on va répondre. 1, 2, 3. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Amen. Amen. Si Jésus est en train de donner une réponse, Jésus est en train de donner une réponse aux pharisiens. Parce que les pharisiens avaient l'habitude de poser à Jésus des questions pour le piéger. Alors, il parlait sur quelque chose, une tradition qui se faisait en Israël, et il voulait savoir si Jésus allait répondre
à leur tradition. Parce qu'ils ont compris, est-ce qu'on peut ouvrir la porte, il fait chaud. Ils ont compris que le disciple de Jésus ne faisait pas une tradition et pour eux, ce n'était pas bon que le disciple de Jésus ne fasse pas cette tradition. Et aller très loin, il dit, pendant leur discussion, il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. » Amen. Dans le contexte de ce texte est sur un débat. Ils sont en train de reconnaître des choses. Et là, il leur dit, « Tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. » Quelque part dans la Bible, on est en train de dire, il y avait un homme qui avait sa plantation de blé. Et pendant la nuit, un méchant est venu s'aimer, livrer pour détruire la plante des blés. Or, les blés et livrés sont des plantes similaires. Amen. Allez. Je cherche. Voilà, le blé et livré, c'est comme le plantain et la banane. C'est similaire, mais c'est pas la même chose. Hein? Le plantain et la banane, c'est similaire, c'est pas la même chose. Qui frit ses bananes avant de manger? Personne. Mais pour manger le plantain, tu dois le frire. Ici, Jésus est en train de vouloir identifier une plante que n'a pas semé le Père. Alléluia. Ici, Jésus est en train de chercher à identifier la plante que n'a pas semé le Père. Et il dit, cette plante-là, et l'autre plante aussi, et cette plante, il est en train de compter, il a dit, ces plantes que mon Père n'a pas semé, n'a pas planté, sera déraciné. Comme ce soir, je dis dans ta vie, tout ce que le Père n'a pas prévu dans ta vie sera déraciné. Tout ce que le Père céleste n'a pas prévu dans ta vie sera déraciné. Jésus est en train de dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En d'autres termes, au ciel, Jérémie est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez l'abondance. Oh, je voulais dire à une personne, le plante ou la plante, ou le plante au pluriel que le Père a planté dans ta vie, ce sont des projets de paix, de bonheur, afin d'avoir l'avenir et l'espérance. Tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné cette nuit. J'étais en train de dire, toute malédiction que le Père n'a pas planté dans ta vie sera déracinée cette soirée. J'étais en train de dire, tout ce que le Père n'a pas semé dans ta vie, cette nuit, on va les déraciner. J'étais en train de... Oh, je parle à qui ce soir? J'étais en train de dire, tout ce que le Père n'a pas semé dans ta famille sera déraciné. Ah, il dit, je souhaite que tu prospères. À tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Si la prospérité est toi, vous ne le rencontrez pas. Tout ce qui est sécheresse ce soir sera déraciné. Je parle à qui ce soir. Tout projet de mort, tout un plan de je ne sais pas moi sera déraciné dans ta vie. Et cela au nom de déraciné. Déraciné. D'abord, ce qu'on doit savoir ici, avant d'entrer en prière, nous devons reconnaître c'est quoi ce que cette plante qui est différente de la volonté de Dieu. Dis avec moi, reconnaître. Tu dois reconnaître. Jésus a dit, toute plante
que n'a pas planté mon père sera déraciné. J'aimerais dire ici quelque chose. Pour savoir la plante que le père... Pour savoir la plante que le père avait semée, tu dois être au préalable au champ les jours où le père est en train de semer. Pour savoir la plante ou le plante au pluriel que le père a semé, tu dois être présent le jour où le père était en train de semer. Il y a quelqu'un de la Bible qui me... Je ne veux pas dire qu'il m'énerve, mais je veux dire qu'il était absent le jour où il devait être présent. C'est Job. La Bible dit, tous les fils de Dieu étaient en réunion avec Dieu. Mais ce jour-là, Job, lui qui était pieux, n'était pas dans cette réunion. Et là, Dieu est en train de dire à Satan, « As-tu vu mon serviteur ?» Satan répond, c'est parce que tu l'as béni. Si Job était ce jour-là à la réunion, il allait dire, non, c'est parce que je le crains. Le problème qui se passe, c'est que beaucoup n'ont pas la capacité d'identifier la plante parce que le jour de la semence de la plante, ils étaient absents. Est-ce que je parle? Beaucoup n'ont pas l'identification de la plante que le père avait plantée. Et ils se retrouvent au champ en train de récolter ce que le père a planté et ce que le père n'a pas planté. Dis avec moi identification. C'est quoi la plante ici? C'est quoi la plante ici? Je ne veux pas aller dans la définition de la botanique. Botanique. Ou encore agronomique. Parce que la botanique, c'est au primaire, mais l'agronomie, c'est à l'université. Je ne veux pas parler des photovoltaïques, des photosynthèses. Je ne veux pas parler de ça. Mais je veux parler de ici, c'est quoi la plante? Dis avec moi, c'est quoi la plante, pasteur? La plante ici sont des manifestations des semences invisibles dans le visible. La plante ici, je vous parle de manifestations des semences invisibles dans le visible. Si tu sais identifier des manifestations dans les visibles de leur source invisible, alors tu seras déraciné parce que tu sais que ça, ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans ma vie. C'est ça le problème du christianisme actuel. Hein? Vous avez suivi un film qui a fait tabac sur les réseaux sociaux? Deliverance. Ah, vous avez suivi ça? J'ai suivi ça. Je veux parler pas pour donner mon avis, mais je veux parler pour donner une leçon dans ces films. Parce que vous le savez, est-ce que c'est chrétien ou pas? C'est ça maintenant le débat qui est là-dedans. Et moi, je ne veux pas aller là-bas dedans. Parce que ces gens qui posent la question pour savoir si c'est chrétien ou pas, la plupart d'entre elles ne sont même pas des chrétiens. Et ils ne savent même pas c'est quoi être chrétien. Mais ils disent seulement c'est chrétien ou c'est pas chrétien. Alors moi, je ne vais pas entrer dans ça. Moi, je sais si c'est chrétien ou pas. Je sais. Si vous voulez savoir, venez me chercher. Je vous dirai.
Mais moi, je n'entre pas là-dedans. Mais moi, je vous donne une leçon que j'ai suivie dans ces films. C'est quoi la leçon? La Bible dit, toute plante, là où vos plantes et vos pieds foulera le sol, je vous le donne en, vous marcherez sur le serpent et le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous. Le problème de ces films, cette famille est allée habiter dans une maison hantée. Au préalable, sans avoir prié pour la maison en question. Ou alors, sans avoir consacré la maison en question. Frère, tu ne peux pas contrôler l'invisible dans le visible. Oh my God. Tu ne peux pas contrôler l'invisible dans le visible. On contrôle l'invisible dans l'invisible. Parce que quand tu attaques l'invisible, c'est là que tu sauras maintenant dans le visible si ce que tu avais attaqué dans le visible se répercute dans le visible ou pas. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Je vais faire simple. Tu ne peux pas habiter dans un appartement sans l'avoir consacré au préalable. Parce que tu ne sais pas qui avait habité là avant toi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant toi. Tu ne peux pas, quand tu trouves une maison, aller rester sans l'avoir consacrée. Ma femme est là. Toute maison que nous prenons ici au pays, toute maison, je dis bien, que nous prenons ici au pays, pour habiter, bien sûr. Je suis le prêtre, c'est moi d'abord. Je pars là-bas. Ce que je fais là-bas, je vais bouger l'invisible. En fait, c'est moi qui dois donner le menu de ma maison. C'est pas un esprit qui va venir manipuler ma maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas avoir une voiture dès que tu l'as. Mon fils Blessing, le jour qu'il est allé prendre sa voiture, on s'en allait ensemble. On a fini toute formalité. Après, on lui remet la clé. Après, il me remet la clé. J'ai dit, oh, c'est ta voiture, tu peux conduire. Il dit, non papa, c'est ma voiture, mais tu pries d'abord. Frère, tu ne peux pas gérer l'invisible dans le visible. Non. Parce que si tu gères l'invisible dans le visible, tu ne géreras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois tu peux identifier la chose, alors tu peux déraciner la chose. C'est ça le problème que nous avons actuellement. Tu ne peux pas préparer un mariage parce que en fait c'est quoi le mariage? En fait, je veux parler de ça un peu. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est l'union de deux personnes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? C'est pas ça. L'amour, c'est l'union de deux personnes. Mais le mariage, c'est l'union de deux familles. Avec les antécédents familiaux. Donc cela veut dire, si dans la famille où tu es en train de te marier, s'il y avait un oncle qui était criminel dans son sang, sache-le bien que ces gènes-là, c'est dans ta femme ou dans ton mari, vous risquerez d'avoir un enfant qui risque d'avoir les gènes de l'oncle-là. Maintenant, toi, tu gères pas l'invisible. Toi, tu gères la salle de fête, le visible, avec les invités et les poulets. Mon frère, le combat est loin. Le combat, c'est pas là. Le combat, c'est pas dans les poulets. Le combat, c'est dans l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oubliez tout. Retenez ça. Tu ne peux pas gérer l'invisible dans les visibles.
invisible. La Bible dit quoi? J'ai oublié ça. J'ai trop de choses à dire. Une fois tu as identifié ce que le Père n'a pas semé, alors tu peux déraciner. Alors la question qu'on peut se poser, ou que je veux me poser, c'est comment on est venu faire quoi ce soir? D'abord, tu dois commencer d'abord à identifier cette chose. Est-ce que tu es en train d'identifier? Comme vous êtes là, chacun est en train d'identifier. Donc, ok, je comprends. Donc le totem de ma famille, c'est le léopard. Ok, donc la colère que j'ai, quand je me fâche, j'ai envie de tout détruire. C'est une colère léoparienne, si je peux me prêter cette expression. Ou encore, le totem de ta famille, c'est le serpent, une vipère. Ah, tu dis, la rancune que j'ai, c'est une rancune vipériale, si ça existe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dès que tu identifies, maintenant là, tu peux aller. Alléluia. La Bible est comment déraciner? Comment déraciner? Numéro 1, par des déclarations selon la volonté de Dieu et des actes prophétiques. Entre parenthèses, la prière. Amen. Alléluia. J'ai dit quoi? Par des déclarations selon la volonté de Dieu et des actes prophétiques. Entre parenthèses, la prière. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Frère, on passe au mode, à la mode, mode armé, parce que là, les choses sérieuses veulent commencer. Quand vous prenez vos Bibles dans Proverbe 18, verset 21, la Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Je dis quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais dire à une personne, une bouche fermée est une destinée éteinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une bouche fermée est une destinée éteinte. Si toi, devant tes situations qui te viennent, qui t'arrivent, tu n'arrives pas à déclarer, à parler, à prier, cela veut dire, la Bible... C'est lui qui dit mon consent. Ok, donc une fois que tu fermes ta bouche, tu as consenti à ce que ce qui t'arrive, t'arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Une fois que tu fermes ta bouche, donc tu as consenti à ce qui t'arrive, t'arrive. J'aimerais dire à une personne ce soir, n'aie pas l'habitude de subir des conséquences. Aie l'habitude de dévancer les événements. Aie l'habitude de dévancer les événements. Et l'habitude de dépasser les événements. Et l'habitude de dépasser. Tu dois arriver à un niveau où ta parole doit devenir des décrets. Ta parole doit devenir des décrets. Donc quand toi tu parles, le monde écoute. Et le monde visible et le monde invisible t'écoute. Parce que la Bible dit, ce qui est lié dans les ciels est lié. Qu'est-ce qu'il lit sur la terre et dans le ciel? C'est quoi? C'est la parole, non? C'est la parole, non? Ok. L'argent pour acheter dans les supermarchés des invisibles. L'argent, écoutez-moi très bien cette phrase. L'argent qui t'aide à acheter dans les supermarchés invisibles. Cet argent, ça s'appelle la parole.
Hein? L'argent qui te permet d'acheter dans le monde invisible, cet argent, ça s'appelle hein? La parole. Si vous prenez vos Bibles dans 1 Roi 17, à partir du premier verset. 1 Roi 17, à partir du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon amarre. Toi, tu es qui d'abord pour venir fermer la pluie comme ça là? Dis avec moi, ma parole doit devenir des décrets. Il dit sinon à ma parole, frère, demain la météo dit qu'il va pleuvoir. Essaie d'abord de dire que ça ne pleut pas. C'est même pour une journée d'abord. Essaie. Qui a déjà arrêté la pluie une fois ici? Qui a déjà arrêté la pluie? Maman a arrêté la pluie. Qui encore? Qui a déjà arrêté la pluie ici? Hein? Eh! Maman n'a rien dit. Donc vous. Eh! Vous n'avez pas arrêté la pluie? Pourquoi? Hein? C'est parce que ta parole n'est pas un décret. Moi, j'ai arrêté la pluie beaucoup de fois. Il y avait un dimanche ici, on avait dit qu'il y aurait la pluie. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y avait un dimanche comme ça, ça fait 2 semaines passées. Il devait avoir la pluie. Vous ne regardez pas vos météos, hein? Qui regarde ce météo ici? Il y avait un dimanche, il y a 2-3 semaines ici, on avait dit qu'il y aurait la pluie, non? Hein? Ça, c'est pas tombé, tu sais pourquoi? Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, envoie ça là où on a besoin de ça, pas ici. Nous on n'a pas besoin de ça, on a besoin de célébrer. Et ce jour-là, il n'y a pas plus. Mon frère, ma soeur, ta parole doit peser dans le monde spirituel. Dis avec moi, ma parole doit peser. Dis encore, ma parole doit peser. Tu sais pourquoi? Parce que le monde où nous sommes, depuis qu'Adam est tombé, le monde où nous sommes est devenu un monde de la force. Hein? Le monde où nous vivons est devenu un monde de la force. Maintenant, si toi, à ton tour, tu n'es pas puissant, tu seras obligé de te mettre à genoux devant la puissance qui va t'engloutir. Le secret d'Élie pour venir dire que sinon à ma parole, il n'y aura pas la pluie, c'était dans la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Quand tu prends ta Bible dans Luc 1, 17, la Bible est en train de parler de la naissance de Jean le Baptiste. Mais on est en train de dire, il va marcher avec la puissance et l'esprit qu'avait Élie. Donc je comprends que Élie avait la puissance et l'esprit des défis. Mais la Bible nous dit dans Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous. Or, Élie, de la même nature que nous, a fait que sa parole ait la puissance de décret. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas
pleine de pluie parce qu'il a remarqué que la gloire de Dieu était bafouée en Israël. Tu peux te tenir debout dans ton travail, tu peux te tenir debout dans ta famille, tu peux te tenir debout dans ton institut et dire sinon à ma parole il n'y aura pas de mort cette année. Oh, je parle à qui ce soir? Tu peux te tenir debout et dire sinon à ma parole il n'y aura pas de mort cette année parce que j'ai la puissance. Dis avec moi la parole. Et ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Quand tu prends Luc 11, verset 1, les disciples sont en train de dire à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'avait appris à ses disciples. » On doit comprendre que Jean-Baptiste avait une vie de prière très forte et c'est pour cela qu'il a hérité de ça de Élie. Élie aussi avait une vie de prière puissante. Dis-moi un amen s'il te plaît. Amen. Le problème que nous avons maintenant, nous n'utilisons pas la prière pour dominer. Nous n'utilisons pas la prière pour devenir dominant, pour être dominateur, pour être empereur, gouverneur. Nous n'utilisons plus la prière pour ça. Nous utilisons la prière que pour manger et pour dormir. Help me, Holy Spirit, please. On utilise la parole, on utilise la prière que pour manger. Il y a de ces personnes même, ils mangent sans prier. Il y a des personnes qui mangent sans prier. Mais tu vas lui dire, tu vas le voir dans son statut, il dit moi je vis par la prière. Il vient de manger du pizza sans prier. Il y a des personnes ici, il peut rester 3 heures du temps sur son téléphone. 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures sur son téléphone. Dis-lui seulement, va prier. Tu vas voir, il va prier déjà avec un pyjama. Dans sa chambre. En train de mettre, quand il met le pyjama, Seigneur Jésus, cette journée était très bonne. Très longue. Là, il a mis la chemise du pyjama. Il monte sur le lit. Seigneur, maintenant tu vois ce que je veux faire. Et il prend sa couverture, il met à l'épaule et dit amen. Et il dit, je serai la tête et non la frère, sœur, tu seras la queue et non la tête. Dis avec moi la prière. Ne blaguons pas avec la prière. Jésus lui-même priait la nuit et faisait les miracles le matin. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Le premier miracle de Jésus, il a transformé quoi? Hein? Moi, je fais l'électricité, je n'ai pas fait la biochimie, je ne maîtrise pas bien la chimie. Mais je sais que dans l'eau, il y a un molécule d'hydrogène, c'est ça non? Et deux molécules d'oxygène. Hein? Hein? H2O. Merci, j'avais déjà dit je suis faible en chimie. Donc deux molécules d'hydrogène et un molécule d'oxygène, c'est ça non? C'est ça non? Merci, aidez-moi. Allez, soyez assistez-moi au cours que je vais vous donner tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça. H2O, n'est-ce pas? Oui. La composition chimique de l'eau. H2O. On dit Jésus a transformé l'eau en vin. Hein? Yes. La composition du vin, c'est quoi? Je pense qu'il y a de l'eau. Je pense qu'il y a de l'oxygène. Hein? N'est-ce pas? Quand il y a de l'eau, donc il y a H2O déjà. Yes. Les chimistes, ne m'abandonnez pas.
Il y a H2O dans le verre, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, il prend... Oui, merci mon frère. Il est pris dans... Formule du vin. Il prend... Il changeait l'eau en vin. Pour avoir le vin rouge, on doit normalement avoir aussi le fruit rouge. Yes. N'est-ce pas? Yes. Et dans les fruits rouges, prenons le cas du raisin. Hein? Yes. Prenons le cas du... Raisin. N'est-ce pas? Yes. Pour faire le vin, on doit mettre de l'eau et du raisin ensemble. Hein? Yes. Dès qu'on met de l'eau et du raisin ensemble, la formule n'est plus H2O. La formule devient H2O plus quoi? Plus le raisin. N'est-ce pas? Ça, déjà, on a un mélange. Pour avoir du vin, on doit y avoir une fermentation. N'est-ce pas? Je n'ai pas fait la chimie. Aidez-moi. Je n'ai pas fait la chimie. Aidez-moi. Il doit y avoir fermentation, n'est-ce pas? Pour fermenter les jus afin que ça devienne du vin, ça peut faire minimum une année enfermé ou encore sous scellé. Je vais dire avec le français des laboratoires chimistes, distillé, n'est-ce pas? Ça doit rester distillé en fermentation pendant au moins une année, n'est-ce pas? Et là, nous aurons deux H2O plus fruits de raisin plus fermentation. Ça peut te prendre un minimum une année pour amener du vin. On est avec moi. On est avec moi. On est avec moi. On est avec moi. Et on l'amène six vases de pierre. Je fais la physique. Là, quand même, je sais comprendre. On dit remplissez ça d'eau. Quand on remplit le vase d'eau, ça arrive à 150 à 200 litres. Et il y en avait 6. Donc, on lui a amené 600 litres d'eau. Je ne parlais pas de vin. Je vous ai donné le procédé pour avoir le vin. Pour avoir 200 litres de vin, donc on doit normalement amener le terrain comme toute la ville d'Ottawa et les presser pour ramener le fruit en étant le jus. Soyez tranquille, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous allez me déconcentrer. Attendez d'abord. Ça, je ne l'ai pas écrit, donc ça télécharge et je parle directement. Toute la ville d'Ottawa, vous devez les ramener pour les presser, pour ressortir, filtrer. 100 litres avec le mélange d'eau des 600 litres d'eau et le mélange de fruits, l'ensemble fermenté pendant une année pour avoir le vin. Et il a donné la capacité de 600 litres de vin. Or, une bouteille de vin actuellement peut coûter dans les $10 à $15. Et si tu prends $10 multiplié par 200, Jésus a amené une contribution dans la fête de pas moins de $15,000 en vin. Il n'est pas venu dans la fête avec une usine de fabrication. Yes. Il est venu dans la fête avec l'autorité de la parole. Yes. Il a seulement dit remplissez-moi, c'est tout. Et quand il a dit allez donner, cela veut dire quoi? La transformation en vin était en train de se faire entre les mains de Jésus, entre la bouche. Parce que Jésus, plus grave, Jésus n'a pas touché de l'eau pour que ça se transforme en vin. Jésus a prononcé une parole en disant allez les donner à l'ordonnateur du repas. En allant les donner, c'est là que l'eau s'est transformée en vin. Quand il disait allez donner à l'ordonnateur du repas, le mot aller a fait le parcours de récolte de raisins.
a fait le parcours de remplissage, de fermentation de moins d'une année en une minute. Et il a dit, allez donner. Et l'eau s'est transformée en vin. En fait, vous pensez que ce miracle, c'est petit. Ce miracle n'est pas du tout petit. Mais Jésus, là, a maintenant dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et cela ne tardera pas. Et tu veux prendre la prière, le ramener à Seigneur Jésus, je vais dormir. C'est que tu n'as pas compris l'importance de la parole. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu dois d'abord découvrir la chose qui te dérange, ensuite appliquer la parole. J'aimerais dire à une personne, il faut se lever et appliquer. Je peux ajouter quelque chose? Je peux ajouter quelque chose? Il y avait 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes plus femmes, ça fait 10 000. Moi, je veux compter. Et ils n'ont pas compté. C'est leur problème. Et ils ont dit, on ne va pas compter. Moi, Gaston, j'ai dit, je vais compter. Il y avait 5000 hommes plus 5000 femmes. Et là où il y a le rassemblement pareil, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, à peu près 7500 femmes et 5000 hommes, qui fait à peu près 12500 personnes. Et chaque femme, disons sur 7500 femmes, il y avait 2500 femmes qui n'avaient pas d'enfants et 5000 avaient d'enfants. Minimum, parce que moi j'ai trois, je ne peux pas dire que tout le monde avait trois, je peux dire que chacun amenait un enfant. Donc il y avait 5000 enfants plus 7500 femmes plus 5000 hommes, ça fait un total d'à peu près 17500 personnes. Et on les a dit, Brayacha, Jésus les a dit, donnez-le vous-même à manger. Jésus, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu dis, Jésus? Il dit, je comprends. Donnez-le vous-même à manger. Je pense que c'est Pierre, ça doit être Pierre. C'est pas Jean. Pierre. Je pense que Pierre est moutété là. Si je vais moutété, il doit être mort. Il trouve un petit avec cinq pains et pour nourrir 17500 personnes. Dis avec moi folie. Il amène les 5 pains et les 2 poissons. Il dit, oh my goodness, I like it. Il dit, prenez, c'est ce que nous avons trouvé. Jésus prit le 5 pains. Et les 2 poissons, il rendit grâce. En fait, des fois quand tu lis comme ça, tu passes, tu ne comprends pas. Restons là. Pour pêcher 17500 poissons, on doit faire à peu près 3 mois de pêche dans un bateau chalutier. Si vous ne connaissez pas le bateau chalutier, c'est un bateau spécialisé pour la pêche. Donc, dans un bateau de pêche, tu restes là pour pêcher pendant 3 mois à peu près 17500 poissons. N'est-ce pas? 3 mois. Dis avec moi 3 mois. 90 jours. C'est pas fini. Il y avait encore 5 pains. Pour faire 17500 pains, tu dois avoir à peu près 7 tonnes de farine. Quand je dis tonnes de farine, tu dois avoir à peu près 7000 kilos de farine. C'est pas ça? À peu près 7000 kilos de farine. Et pour faire leur récolte de 7000 kilos de farine, tu dois faire à peu près 6 mois d'attente. Déjà d'abord entre Russie et Ukraine, ça tire.
le temps d'attente devient long pour avoir le blé pour faire le pain. Et la récolte devait faire 6 mois. Donc si tu prends 6 mois plus 3 mois, ça fait 9 mois. Donc le temps qu'un enfant passe dans le ventre pour naître, c'est quand Jésus élève ses mains et rendit grâce. En rendant grâce, il a raccourci 9 mois et a donné à manger. J'aimerais te dire, quand tu as un problème qui te dérange, ne pleure pas, rends grâce. Ne pleure pas, parle. Parle seulement. Le problème est que nous, à l'église, on ne comprend pas ce qu'on fait. La prière n'est pas passer 2 heures à l'église et rentrer à la maison pendant 1 semaine. La prière est une vie. Quand tu es en train de prier régulièrement, on appelle ça vie de prière. Quand tu manges, tu es fort. Quand tu pries, tu deviens puissant. Il y a une différence entre manger et prier. Quand nous mangeons, on devient fort. Mais quand on prie, on devient puissant. Mais le problème de chrétien, on passe que 2 heures à l'église après 1 semaine et on veut chasser un démon qui a fait dans ta famille plus de 5 siècles. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois croître ta parole afin de venir déraciner ce qui était enraciné dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux déraciner une plante qui a fait plus de 5 siècles? Arrête de faire des prières de 5 minutes. Prends du temps dans la prière afin de... Oh my God. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Cela ne tardera pas. Ça va plus. Et David a dit, oh, toi qui écoutes la prière, les hommes reviendront. Mon fils a commencé l'école. J'ai reçu une lettre. On nous a dit, on a enlevé tel cours, on a mis tel cours. Frère, avant que mon fils n'aille à l'école, c'est mon fils. Je suis l'autorité spirituelle sur lui. Je suis allé faire ses courses. Je suis rentré. J'ai commencé à prier sur la vie de mon fils. Le problème qui se passe actuellement, les gens pensent que la prière c'est un griffe. Non, la prière c'est un... La prière doit être votre arme. Dis avec moi la prière. J'ai vu un parent en France. Il y a des choses qui n'a pas plu dans la rentrée scolaire en France. Au lieu de partir prier, tu sais ce qu'il fait? Il voit les cahiers de son fils, de sa fille, je pense. Et après, il vient parler sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. 350 000 likes, 7 000 commentaires. 6 000 enregistrements. Peut-être 10 000 partages. C'est pas normal. Et quand tu entres dans les commentaires, on est où là? Frère, tu reçois des choses pareilles. Tu mets ta fille à genoux. Tu payasas, tabayasas. Tu réchappes. Tu rababa. Hein? Tu racheté. Tu n'as pas besoin de dire c'est pas normal. On sait que c'est pas normal. On sait. Jésus a dit dans Matthieu 24,
voici les signes qui vont précéder mon avènement. Il a dit. Maintenant, on doit savoir préserver. On doit savoir. Je peux dire quelque chose. Je sens des choses me venir brusquement comme ça. Là. Je dis seulement on passe. Après, on va prier. Le monde où nous sommes, c'est déjà mort. Que les iPhone 16 qui vont sortir la semaine prochaine ne vous mentez pas. Le monde où nous sommes, c'est mort. Maintenant, nous, on préserve le monde. Vous savez comment est-ce qu'on préserve le poisson quand c'est déjà abattu? On met du sel. Quand tu pries, tu es en train de saler la vie de ton fils pour que quand il va aller dans un monde pourri, que la putréfaction ne l'infecte pas. Et ce n'est pas venir dire aux gens, ce n'est pas normal. On sait, ce n'est pas normal. Et ça va aller comme ça, de mal en pire. Dis avec moi la prière. Jésus pouvait raccourcir le temps des choses de 10 ans, de 6 mois, de 9 mois en une prière. Parce qu'il priait longtemps et venait parler à Dieu. Tu vas m'aider. Donnez à Diaz un micro. On va lire 1 Roi 22. Au début, papa, toi, tu lis, moi, je vais commenter ta lecture au fur et à mesure. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Donc, Syrie et Israël, deux nations qui sont souvent en guerre, et ils sont restés 3 ans sans qu'il y ait la guerre. C'est ça, non? Mmh. Ok. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël, ici, c'est Akab. Si vous prenez vos Bibles, vous allez voir. Le roi d'Israël, ici, qu'on est en train de parler, c'est Akab. Continue, papa. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth, en Galate, est à nous? Il s'est souvenu qu'il y a une partie de leur pays qui a été prise en otage. Il a identifié qu'on a ravi une partie de leur terre. Et il voulait les récupérer. N'est-ce pas? Continue. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Oui. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Il dit à son frère, allons attaquer Ramoth pour récupérer Galate, n'est-ce pas? Amen. Continuons. Josaphat répondit au roi d'Israël. Oui. Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Oui, continue. Il dit de consulter le prophète avant d'y aller. Ok, Josaphat, on va sauter. Tu vas tomber quelque part, je te dirai. Ok, Lise, je veux vous épargner du temps. Ok, ici, Akab a fait beaucoup de forfaits. Dieu était en train de vouloir l'illuminer. N'est-ce pas? Et ici, il dit, consultons l'Éternel. Et ils ont appelé les prophètes. Ils ont commencé à parler. Les prophètes ont commencé à prophétiser. Vous qui aimez venir à l'église que pour des prophéties, vous devez savoir que toute prophétie qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu vient de Dieu. Mais la capacité d'accomplir la prophétie vient de Dieu et non du serviteur de Dieu. Il y a une nuance. Frère, continue. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et il leur dit, irais-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je... On lui a dit, c'est bon, tu peux y aller, prends 19. Okay.
Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'étenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Qui séduira Akab? Akab. Continue. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent. L'idée d'aller combattre, c'était pas le plan parfait de Dieu. Mais comme Akab a fait beaucoup de forfaits, on devait l'éliminer. Et il a dit, allons, et tu vas aller le récupérer. Continue. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Prends 29. 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Ils allaient se combattre. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie... Ici, on lui donne un conseil. Toi, déguise-toi. Moi, je vais porter des habits royaux. N'est-ce pas? Et il porte aussi des habits royaux. L'autre se déguise. Parce que la prophétie venait de dire, on doit tuer le roi. Mais dans la guerre, on doit identifier qui est le roi pour les tuer. Les Assyriens ne savent pas faire la différence entre qui est Josaphat, qui est Akab. Et ils vont seulement voir les habits, les insignes. Voilà pourquoi on dit on reconnaît un moine par son habit. Parce que les habits royaux vont faire qu'on puisse attaquer les rois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Continue. Il s'est déguisé, l'autre a porté les habits royaux. Allons-y. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Lui se déguise. Lui se déguise. L'autre porte les habits royaux. Mais de l'autre côté, on dit identifier le roi et attaquer qui? Le roi. Ah, allons-y. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Il fait quoi? Il poussa un cri. Tu peux t'arrêter là, c'est bon. Josaphat a reconnu l'attaque. Ah. Josaphat a dit en Israël, Dieu a dit, le robuste mourant à 70 ans, le plus robuste mourant à 80 ans. Josaphat a dit, moi j'ai laissé ma famille, le prophète, quand on est parti là-bas, le prophète a dit que ce n'est pas moi qui dois être attaqué, mais c'est Akab. Mais là maintenant, il est en train de voir une embuscade autour de lui. Josaphat a identifié le plante, cette plante de la mort qui était en train de venir l'attaquer. Quand il a identifié, il poussa un cri. Le problème que nous avons à l'église, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à identifier et ils meurent la mort qui n'est pas la leur. Des fois, on doit pousser des cris parce que quand tu pousses un cri, quand tu déclares, quand tu parles, tu t'identifies directement. Et quand il a poussé un cri, on a dit, ah, c'est pas Akab. C'est pas le roi d'Israël, parce qu'on voulait tuer le roi d'Israël, non le roi de Juda et non le roi de Samarie. Ah, c'est pas lui, c'est l'autre, et on le laisse passer. Frère, ne ferme pas ta bouche quand tu vois les choses aller mal. Dis avec moi la prière. Ne ferme pas ta bouche quand tu vois les choses mal se tourner. Il faut toujours savoir se tenir debout et passer à la prière afin de tout faire tourner. Numéro 2, on va prier, on va se tenir déjà debout. Ça, je vais donner ça plus rapidement. Deuxièmement, pour déraciner la plante, dis avec moi, on bâtit les autels. Bâtir les autels.
on bâtit les hôtels. Amen. Amen. On bâtit quoi? Les hôtels. On donne des offrandes, papa. Ça. Et ça là. Ce sont des offrandes, ce sont des hôtels. Ça veut dire que ça crie en faveur de qui? Ça crie en faveur de ceux qui l'ont donné. Dis avec moi, hôtel. Hôtel. Ça crie en faveur de ceux qui l'ont donné. Un jour, moi, je partais à la montagne pour prier. Ma femme, dans leur église, on a dit, le Seigneur va vous donner le bon mari et tout, prenez l'enveloppe, venez sceller la prière. Élève, elle prend, elle va sceller la prière. Frère, bon mot, je suis un scellage. On avait scellé quelque part et vous savez le mystère de l'offrande. Ça fait que leur pasteur est venu louer dans notre parcelle. Dis avec moi scellage. Leur pasteur est venu louer dans notre parcelle. Et maintenant, je voyais maintenant le fils venir chez leur pasteur pour... Mais papa, moi, je sais si j'ai mal rêvé. Papa, je vous ai amené ceci. Oh, papa, on va répéter. Maintenant, moi, j'étais en train de... Seigneur, moi, je suis en train de prier pour faire un choix. Est-ce que... En plus, il y a un adage africain qui dit, un bon coq mange à la longueur de sa corde. Est-ce que c'est pas ici? C'était la force de l'offrande, en fait. La force de l'offrande, en fait. Frère, vous avez fait nos offrandes ici, vous savez pas ce qui va arriver dans 5 ans. Mais c'est que je sais. En faisant des offrandes, il y a des chemins. Il y a des chemins qui s'ouvrent afin que la prière te localise. Hein? Dis avec moi, c'est l'âge. Seulement. Et Malachie 3, verset 10 dit, amenez dans la maison de trésor vos dîmes et vos offrandes afin que vous voyez si je ne me lève pas comme le Seigneur des armées. Des fois, quand on dit venez donner les offrandes, vous pensez c'est comme si, ok, c'est pour le pasteur, il va s'enrichir. Bon. C'est que vous n'avez pas compris. C'est que celui qui donne les offrandes sème et doit récolter. Et il y a des plantes qui se déracinent quand tu donnes des offrandes. Est-ce qu'on peut s'éteindre debout? J'ai fini. Commence d'abord à acclamer la présence du Saint-Esprit en Seigneur. Shayaba Sataba Bushaba Kabada Seke Baba Baba Busha. Commence à acclamer la présence du roi des rois en Seigneur. Fais comme si tu es en train d'attraper une plante.
On a dit avec des gestes prophétiques et des déclarations. Amen. Amen. Attrape une plante. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Jésus a dit. Jésus a dit. Toute plante. Toute plante. Qui a été. Plantée. Plantée. Mais qui ne vient pas de toi. Mais qui ne vient pas de toi. Doit être déraciné. Doit être déraciné. En cette nuit. En cette nuit. J'ai localisé. J'ai identifié. La plante. La plante. Qui ne vient pas de toi. Cette pauvreté. Ne vient pas de toi. Cette mort. Ne vient pas de toi. Cette maladie. Ne vient pas de toi. Cette crise. Ne vient pas de toi. Ce manque. Ne vient pas de toi. Ce blocage. Ne vient pas de toi. Ce soir. Ce soir. Je déracine. Toute plante. Qui est censée. Amener. Le blocage. La mort. La malédiction. La maladie. Le cancer. La tuberculose. Les AVC. Le crash d'avion. Le blocage. Je déracine. La brada santa. Commence à déraciner. Ikamana sekende baba. Oui, prochain. Au nom de Jésus. Toutes plantes. Yadabro Shayaba. Yabrada Boshoyo Sayada. Shabrana Masoyo Shayaba. Ikamana Hete Marayete Bebebe. Shabra yabra. Ikamana hote bara eta mama mosha. Le célibat là, déracine ça. Cette maladie là, déracine là. Au nom de Jésus. Labra yaba shaya bana saya bana saya. Oh,
Sur cette terre, par ma famille, toutes sémences invisibles de ma famille, toutes sémences cassemées, mes grands-parents, mes grands-mères, sur ma vie, dans ma province. Au Congo. Au Canada. Tout ancêtre. Qui a sémé. Des germes. Enfin que. Ma vie. Soit bloquée. Au minimum. Ce soir. Je coupe. Je coupe. Commence à couper. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shayaba. Je m'en vais couper. Shayaba. Toutes les germes, toutes les sémences. J'ai planté. Toutes les sémences
manquer la famille de mon père, la famille de ma mère, que je la reconnaisse ou que je la reconnaisse pas, ce soir, je m'en vais les couper. Avec ma force, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, ce soir, papa, je coupe ça, au nom puissant de Jésus, tout est jamais, toute est confiance, toutes les choses, papa, toutes les choses que le diable a donné, toutes les choses que ma famille, de mon père, de la famille de ma mère, ce soir, je le coupe, ce soir. De Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout esprit de maladie héréditaire, ce soir, avec ma force, avec la puissance d'esprit, je m'en vais le prêter. Au nom puissant de Jésus, minimum ce soir, je m'en vais couper, tout esprit, je le coupe, je le coupe, je le coupe.
qui dans sa famille, je ne parle pas de connaissances. Léon. Léon. Dans votre famille. Côté maman. Papa. Papa. Côté papa. Ok. Shayabada Santa Baba. En fait. Shekamana Santa Baba. Et la brée de Shayabada. En fait, il y a un plan du diable qui s'élève contre sa vie. Est-ce qu'il vient à Kinshasa? Parce que il est mort. Il est mort. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. 7 ans. C'est le papa de papa. Pardon? Le papa de papa. C'est le grand-père. En fait, ce que j'étais en train de voir, j'allais dire, on a prié pour sa vie. Or, ce n'est pas pour sa vie qu'on a prié. On a prié pour la vie de ses enfants. Ouais. Parce que j'étais en train de voir l'esprit des morts frapper Léon. Donc, ce que je peux comprendre, je peux déduire, je peux comprendre que le genre des esprits qui a conduit à sa mort est en train de refaire surface dans la famille de ton père. Hein? Le genre des esprits qui a causé sa mort est en train de faire surface dans la famille de ton père. Et je ne sais pas, tu vas me confirmer, mais apparemment il était mort dans une période de fête. Je ne sais pas, c'est temps, c'est trop loin quand même. Tu vas demander, on va te dire. Je vois ce temps en décembre. Hein? C'était vers décembre. C'était vers décembre. Parce que je suis en train de faire le voir comme si. On est en train de préparer une fête pour vivre, pour le fêter en famille. Mais ça fait qu'avant d'arriver à la période de la fête, qu'on devait fêter en famille, il est mort. En fait, ce que j'allais dire, on a prié pour la vie de Léon parce que ce qu'on voit pendant la période de fête d'année, il y a une mort qui s'élève. Si je dois comprendre ça et les réactualiser, on doit prier pour la famille des papas afin qu'en décembre jusqu'à passer en 2025, qu'il n'ait pas l'esprit des morts dans la famille. Parce que le genre de mort qui s'élève, c'est on prépare pour aller fêter à gauche. Avant d'arriver à la fête qui se passe à gauche, à droite, il y a un dégré qui sort. C'est comme une surprise. Mais comme tu es ici et que tu sers ici, à cause de tout ce que tu fais comme ici, laisse que tes offrandes grillent dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare en cette année, la manière dont je déclare pour lui, je déclare aussi pour toi. Amen. Je déclare qu'en cette année, dans la lignée de Léon, il n'y aura pas de mort. Amen. Dans la lignée dans ta famille, il n'y aura pas de mort. Amen. Je déclare qu'il n'y aura pas de mort. Amen. La mort dans la période de fête n'aura pas lieu. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit qui fait plaire les gens pendant la période de la fête, je l'annule au nom de Jésus-Christ. De la même manière, j'annule dans sa vie, j'annule dans la vie de ta famille. Tu ne plairas pas ton père, ta mère, tes frères et soeurs, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui s'élève pour tuer ne viendra pas dans ta famille à cause de tes offrandes. À cause de tes offrandes. Amen. À cause de. En fait. Amen. Yes. Avance, en fait. En fait. Yes.
en fait. Yes. Shaya. Yes. En fait. L'offrande que vous aviez faite. Je suis en train de voir parmi les choses que tu as données en substitut. Tu sais, dans la justice, on ne peut pas tuer quelqu'un pour notre. On ne peut pas condamner deux fois pour une seule chose. Dès que la chose a été déjà condamnée, on ne peut plus revenir pour condamner encore. En fait, l'offrande que tu avais faite, Shayabadesa, c'était un substitut. Sheblada. Je suis en train de voir un cercueil. Rabosha, quand tu as donné ton offrande, parmi les choses que tu as données pour cette année, tu as donné un cercueil. Et dans ce cercueil, c'était que pour que aucune personne mourir en 2024 dans ta famille. Ok. Voilà pourquoi t'as ton offrande. Le nom de Léon est sorti. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. C'est remonté à l'origine pour montrer. Et en cette année 2024, personne ne mourra dans ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je disais, personne ne mourra dans ta famille. Amen. Amen. Personne ne mourra dans ta famille. Amen. Amen. Parce que je suis en train de voir voir la flèche qu'on avait lancée pour qu'elle ait des allergies là. Est-ce qu'elle fait d'abord les allergies ce dernier temps? Moi je ne vois plus je ne vois pas ce qui est propre aux femmes. Je ne peux pas dire ça ici. Je vois pas ça. Mais je vois la flèche qu'on avait lancée pour qu'elle ait des allergies. Et elle a encore des allergies. Oui, aussi. Aussi. Mais je vois. On voit qu'elle a des allergies. Être là le dimanche, si elle pourra être là le dimanche, si elle pourra être là le dimanche, amenez une bouteille d'huile. Si elle pourra être là le dimanche, si elle pourra pas être là le dimanche à cause du travail, amenez une bouteille d'huile, huile d'olive. Je veux prier pour ça et je veux donner des consignes pour qu'elle parte l'appliquer. Parce que je vois. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu des temps de prière? Oui, elle prie, elle est dans les jeunes aussi. Là au Seigneur. Amenez ça, on va prier pour ça, pour que Dieu intervienne dans sa vie encore. Je suis en train de voir le bouclier qui était devant elle baisser. La flèche l'atteint. Dès que la flèche l'atteint, je vois des affaires comme des tatouages sur la figure. Comme des tatouages sur la figure. Ça va partir. Amen. Amen.
On va faire une dernière prière. Vous êtes fatigué? On va faire une dernière prière. Allez, Lely. Pendant qu'il dormait, son ennemi est venu mettre le livret. Pendant qu'il dormait, son ennemi est venu mettre le livret dans la semence de blé. Tu vas prier. Tu vas te tenir debout, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, ma plantation, ce qui m'appartient, soit protégée par le feu. Amen. Pour que l'ennemi ne puisse pas venir mettre quelque chose. Ma plantation soit alimentée par le feu. Tes enfants peuvent être ta plantation, ton mariage, tes projets. Tu dis le mien ne sera pas infecté. Prie au nom de Jésus-Christ. C'est là qu'on finit ce soir. 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 Shaya baba baba. Je vois que vous êtes fatigué. Je cherche quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on appelle. Il y a des noms comme. Il y a des noms difficiles, hein? Comme. Quelqu'un connaît quelqu'un qui s'appelle Moulondo ou Moulongo, quelque chose comme ça. C'est un nom difficile. Je connais Moulongo. 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 Ok. Moulongo. Yabrashaya. Moulongo. C'est un homme? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Être Roland Moulongo, Moulongo, quelque chose comme ça. Peut-être que ça c'est en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. 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 J'ai besoin de 4 personnes. 4. Jusqu'à la fin du mois. On peut faire l'offrande des minimum $250. 4 personnes seulement. $250. Je vais bâtir l'autel. Par l'offrande ici, Blessing a pu changer, shifter une destination qui pouvait toucher sa famille. Par l'offrande, je viens de donner l'exemple ici pour moi-même. Jusqu'à la fin. Nous sommes à 35 aujourd'hui. On est déjà les 7. Jusqu'au. C'est quand le dernier dimanche que c'est? Le dernier dimanche c'est quand? Les derniers dimanches du mois. Pardon? 29. Hein? 29.
jusqu'au 29 septembre, quelqu'un me donne $250 pour bâtir l'hôtel. Que cet hôtel que tu es en train de bâtir, tu n'achètes pas la grâce, mais tu fais des offrandes, des libations, des sacrifices pour que cette viande de bœuf qu'on a mis pour que le feu puisse descendre, que le feu puisse descendre et consumer, afin de changer des choses en ta vie. Que ton offrande t'aide à avoir des relations. Ce que tu fais aujourd'hui marque une saison pour le restant de ta vie. Que les gens te remarquent à cause de ton offrande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me reste 3. 29, hein? Arrêtez de beaucoup calculer. $250, c'est bâti un hôtel. Quand Josué a donné l'offrande des baffles ici, il n'avait pas encore le travail. Hein? C'est ça, non? Mais là, il s'est sacrifié, il a donné $400. Là, il est en train de rire. L'offrande peut ouvrir une porte. $250, 3 euros. Que le Seigneur te voie encore. Que le Seigneur ouvre tes portes encore. Que l'Éternel ouvre les écluses de cieux pour toi. Ce que tu fais aujourd'hui marque la différence. Tu n'achètes pas la grâce, non. Tu n'achètes pas un miracle, non. Mais tu donnes un sacrifice pour que Dieu te remarque à cause de notre Jésus-Christ. Que la bénédiction, que les portes te soient ouvertes et que tes dossiers te soient encore accélérés. Que ceux qui font plus de temps pour recevoir cela, que chez toi ça part vite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur t'ouvre la porte. Encore et encore et encore. Que tes études prospèrent, que ton travail prospère, que tes projets prospèrent. Frère, cette offrande, nous sommes en train de voir, c'est en train d'ouvrir la bonne femme. Je te dis la vérité, nous sommes en train de voir, ça ouvre la bonne femme. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Et que cette fois-ci, sera la mort. Au nom de Jésus, que cela arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Non seulement ça, mais un bon foyer, de bons enfants, des opportunités dans ces pays ou encore à l'extérieur de ces pays. Que le Seigneur voie ton cœur dans son service et qu'il t'ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ. Dernier. Seigneur, vois ton fils. Vois ton fils. Tu connais tout ce qu'il est en train de traverser. Comme Corneille, comme Pierre,
sa maison. Que ses offrandes crient pour que tout ce qui est à lui soit accordé dans ces pays. Que les portes s'ouvrent dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? On a fini, on va passer aux offrandes. On va passer à nos offrandes. Le communiqué est très simple. Nous sommes ici le lundi. Nous sommes ici les dimanches. Amen. Nous sommes ici les dimanches de 11h juste à 13h juste. Est-ce qu'on peut passer à nos offrandes? Pour ceux qui ont la carte, le frère Josué est en train de sillonner la salle. Pour ceux qui ont le cash, il y a le panier juste devant vous. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous avez votre information sur l'écran. Je prie Dieu que le ciel s'ouvre dans vos vies. Seigneur, regarde tes enfants qui t'amènent les dîmes, les offrandes en cette soirée. Que leurs avoirs se multiplient par dizaines, par centaines et par milliers. Au nom de Jésus, Père, bénis cet ouvrage de leur main. Qu'ils récoltent encore en abondance. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, souviens-toi d'eux. Que leur vie soit épargnée. Au nom de Jésus-Christ. Que leur vie soit multipliée par dizaines, par centaines, par milliers à cause de cette offrande. Au nom de Jésus-Christ, bénis leurs dîmes, bénis leurs offrandes, les actions de grâce. Tout ce qu'ils font dans leur vie leur soit accordé. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que. Amen. C'était l'heure debout, on va finir la prière. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tu as commencé avec nous ces temps de prière jusqu'à ce moment. Père, laisse que tout ce qu'on a demandé en priant, que nous croyons que nous l'avons reçu. Et c'est là l'état de rapport à sa compagnie. Rallume la vie de prière dans la vie de tes enfants ici présents. Que leur temps de prière ne soit pas seulement ici à l'église, mais qu'ils aient la force de prier dans leur maison, dans leur domicile, afin d'accroître leur autorité spirituelle. Afin d'accroître leur autorité spirituelle. Fais en sorte, Seigneur, que la bénédiction soit sur leur vie. Ouvre les écluses des cieux dans leur vie. Que tu bénis autant de peuple notre retour à la maison. Nous allons nous revoir ici ce dimanche de 11h à 13h sous ton onction. Ton esprit, ta présence et ta guidance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse.